l'homme noir et la concorde danse sur la mer des Atlantes pour se jeter dans l'antre, l'antre de Barbe Noire. L'orage avait conduit le navire vers le nord et contraint de s'abriter sous le vent de bois. Bien qu'Éole soit si fort à tenter l'échouage, la Concorde avance avec son équipage, avec son équipage. Elle partait de France, quittant les quais de Nantes pour aller en Guinée, y prendre l'homme noir. Et la Concorde danse sur la mer des Atlantes pour se jeter en de Barbe Noire. Arrivé à Madin, au sortir de la Loire, il faut ravitailler pour un nouveau départ, chargé de marchandises pour Ida à son port, contre du bois d'ébène et de la poudre d'or, et de la poudre d'or. Elle partait de France, quittant les quais de Nantes, pour aller en Guinée, y prendre l'homme noir. Et la Concorde danse sur la mer des Atlantes pour se jeter dans l'antre, l'antre de Barbe Noire. Le 17 de novembre de l'an 1717, au large de Saint-Vincent, la rencontre fut faite. Au passage du milieu, esclaves et hommes de bord furent 77 à y trouver la mort. À y trouver la mort. Elle partait de France, quittant les quais de Nantes, sur la mer des Atlantes pour se jeter dans l'antre, l'antre de Barbe Noire. Deux volées de canons et de mousqueteries provenant du démon, et la Concorde prise, elle en perdit son nom, captée d'équipage, et fut baptisée là.